Avec est-ce qu'ils prennent leur main? Et oui, et oui. De la planète. Et ce set peut. Avec des lancer le. Attends, on a rien dit. Plus easy. Et le set peut. Bon. Le set peut donc commencer. Bah, je ça ne veut rien dire. Bon, on a un s'en fout. Pas bien. Oh, let's guard. Et rien qu'à rater moi avant. J'ai infligé des points. C'est vrai, mais. Bon, elle est couvert de peinture. Je sais pas combien. C'est exact, je crois, c'est 1,7. Et énorme. Ah, le. Ah, on a. Il y a 4 points d'ouverture. Un autre, le tirant est raté. Oh, le snatch game. Très efficace. Malgré les radols, j'ai des vies. Et bah, qui a la kill, je pense que ça aurait tué. Même karaté. Bah, tiens. Pour longtemps. Oh. À l'envoyer en plein dans la blason et à la off stage. Ah, c'est très bien joué là de la part des villes, donc une stock d'avance. Oh, oh, avec ce personnage qu'il a éjecté, mais j'avais oublié que la recovery des filles, bon, et l'efficacité de la Swift Pod Katushi qui tue 50%. Là, t'as rien éjecté. Bon timing de Veria, il a 50%. À rattraper, c'est pas beau. Non. On va avoir beaucoup de coups. Je dirais pas simple. Enfin, avec le neutral air, voilà, avec le coup facilement avec en enchaînant des neutral air et en finissant sur des backers. On a pu voir, il a déjà mis à 45%. Enfin, et puis a du mal à mettre des dégâts et l'extra mic. Bah, il l'a parié. Non, bah alors même moi quand je fais avec Balcon, je fais des. Il sort pas en 34. Allez, bon bac. T'inquiète, il est en train de faire. Ah, elle est très vite, est-ce que c'est la dernière pour le. Allô? À ce. Pardonnez-moi. Voilà. Et que Eria qui cherche le. La dernière chose qui fait le. Il a du mal, il est à 140%. Un coup là, il pourrait facilement mourir. Le backer, je sais pas, vu qu'il est vraiment à prendre la blaze. Perpétue. Et bonne éjection du upper. Confirmant, up trop upper. Mais il a 4 ans. Tchou. J'attaque, la dash attaque qui a repoussé. Ah, on l'a repoussé sans avoir un. La game là. Il a du mal, il fait du mal. Il faut trouver une phase. Abuser de son avantage qui est bon. Je sais pas s'il est bon. Il faudrait qu'il abuse de son avantage pour pouvoir juste le faire monter à 100%. Ensuite, pour un petit coup de pire. Rien qu'avec son side B. C'est ce qu'il faut pour gagner cette game là, c'est chaud. Voilà, raté. Il a pas réussi à. Jab. 40%, la faute en un truc là. Il a pas touché. 53%, est-ce que. Et non. 1,5. Oh non, ça ne tue pas. Tu pars. La
t'as dit pour baguer en autre chose, je pensais que tu es. Mais bon, 50% n'est pas pour. Est-ce que Evil va réussir à gagner cette game? Oh, 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 ça est dit, tu as enterré le smash qu'a tué. On a donc un euro pour Evil. Waouh, il a été très bon là, il garde le sang froid vraiment. Bonne prestation là, Evil, sur ce match. Merci, Erwaj. Là vraiment, il a été très bon. Remarqué sur cette game que Eri avait beaucoup de mal sur l'edge guarding des trailers, mais elle avait du mal. Ouais, après bon, l'edge guarding avec Inkling ça sert pas à grand chose sauf à repousser son verre des dégâts. Vous savez, comme la jarre là, l'objet. Et là, bon, bien. Le deuxième gameplay commencé, j'ai pas vu. Kalos, je crois. La meilleure map du jeu. Pas parce que je ne dis pas ça parce que je joue Falcon, hein. On peut commencer à contre Evil, c'est. Oula, attends, je vais refaire la transition. Eri à contre Evil. C'est parti sur Kalos cette fois. Ah, Evil a l'avantage. Et on en pense pas. Sur la première game, en fait, il a un bon avantage. 10%. Evil a gardé la meilleure combo, ça a été la smash, la game. On peut voir que la commence déjà ses combos 500 la phase. Ils sont pas finis. Si c'est fini. C'est un neutral, mais à plus. Là, je suis clairement là. Bien. Là, il a bien l'arme. En face de Joker, il me tue avec un répar à 100%. Ça tuerait, hein. Là, il aurait sauvé. Les éjections par l'eau, c'est toujours méga GI. À s'adapter là où il envoie. Surtout quand on peut penser au repère de Rob. Allez, la punition, là. Je ne peux pas faire ça sur la Chine. Ah, c'était quand même très bien, il a pas assez à couvrir. Charlin, il rien qui s'éjecte. Putain, ça met de la peinture, etc. Mais on profite pas, justement. C'est un très bon coup. Le frame il sort, mais. Casso, Eria, il aurait pas été kill. Ah, non, je pensais qu'il aurait été kill avec un smash. Il aurait pas été enterré assez longtemps. Il était qu'à 50%. Ah, mais oui, il a tenté. Il a cru que Eria allait rolling. Maintenant, ah, mais. Il a arrêté avec ça. Il a vraiment pas de trap, surtout quand il est loin, Eria. Ouais! Il faut un caster. Je pense que je peux caster ce match. Au revoir.
Et re-bien le venu, c'est Karim qui reprend le cast instantanément. En tout cas, je ne sais pas combien on a contre Evil. On a Evil qui a gagné la première game, il me semble. Alors que j'ai vu un petit peu de Tsum Tsum. Et Ria avait l'avantage encore d'une stock. En tout cas, là, on est quand même plutôt bien avancé. Mais il faudrait faire attention à ce que bah, ça ne refasse pas comme la deuxième, comme la première game. Non, on meurt comme ça. Mais oui, mais il l'a vu. Il l'a lu. Le down smash pour couvrir, très très bien vu. Faire très attention parce qu'on a déjà perdu la première game comme ça. Faudrait pas réitérer le malheur, j'ai envie de dire, pas l'exploit mais surtout le malheur. En tout cas, ce qui est un peu complexe, c'est qu'on a vraiment un EPR qui est très très fort. Donc on peut tuer très facilement sur l'eau, sur Palutena. Donc un petit peu, je comprends pas trop le choix de venir prendre Kalos de la part en counter siege de la part de Eria. De Minazuki, excusez-moi. Eria. En tout cas, c'est pas grave. Oh, oui. En tout cas, on va venir se prendre des petits pourcentages, même prendre un petit peu de peinture. Et on a un Evil qui est là pour gagner, hein, très clairement. Très clairement, on le voit, il n'hésite pas à camper. Le back air et tout le rouleau serait pu amener à des pourcentages drastiques. Ok, on a tenté un petit landing up air. On a bien patienté, on a très très mal attendu de la part derrière. Et vraiment, on voit que... Non, pas sur ça. Pas sur ce whiff, pas comme ça. Pas... Oui, mais on revient. Attention, par contre, le back air, évidemment. Le bouclier dans la bouche, on le sait. Est-ce qu'il va arriver? Ok, on attend, on patiente, très bien vu, on a tenté la ride qui n'est pas passée. Dash attaque, coup de bouclier, est-ce qu'on va tenter le back air? Non, en tout cas, on vient faire peur. On vient couvrir, sauf qu'on patiente très très bien de la part de Winkling. On arrive, oh, on a complètement whiff le grab. Et on va se faire finir avec un back air. Le truc, c'est qu'on ne veut pas mourir de la part du poulpe, du calamar. Comme qui dirait, attention, on va essayer le two frame, ce n'est pas passé, on attend, on patiente très très bien mieux. On va complètement venir se faire bury. On va finir timidement avec un back air. Sauf que là, on prend pas mal de pourcentages. Et on va venir se faire shield poke, il me semble qu'on a pas réalisé le shield. Et là, on a des pourcentages, non. Et ça meurt, et ça meurt, et ça meurt. On a eu un P de cerveau, un AVC de la part de Greg. Il nous... Bah c'est surtout que genre vraiment, il est resté là. Il a attendu aux urgences, voilà, il a attendu son tour. Je vais prendre... Mais par contre, c'est un peu dommage, j'ai l'impression que Ellie a un peu cette peur de gagner. Non mais surtout en mode bah je mène de deux stocks, tu n'as plus qu'une stock. Et puis je me fais reverse. Non mais au bout d'un moment voilà je me fais reverse. Bon mais j'aime bien, moi j'aime bien, c'est plutôt cordial, plutôt correct. C'est vrai que ça met un peu d'ambiance. Allez, Il y a que des goats en fait hein. Là je vois l'UA, il y a énormément vraiment que des goats dans le chat. Un grand plaisir de vous avoir. En tout cas, on est parti pour cette troisième game de ce BO3. Qui aurait pu être une grande finale, hein, très clairement. On le dit. Je le dis, j'accuse, mais d'ailleurs, c'est quoi là actuellement? On est en quarter, donc on, ouais, potentiellement des deux joueurs, on va les revoir après. On a pris Small Battlefield. Je sais que Evil adore beaucoup ce stage. Le stage est bien, surtout qu'il... Ces dashback rouleau fonctionne plutôt bien, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ce perso, il rentre dans le sol. Mais oui, mais bon, regardez-moi ce calamar. Il est sponsor par Bureau Vallée. Et voilà. Et en tout cas, rempli d'encre. On va prendre un bout de bouclier, on va prendre 70. Faut pas venir se faire bury, très très beau match. Sauf qu'on a complètement couvert les airs de la part de Evil. Bien vrai, c'est vrai, ton petit actang. Donc on arrive on chill, vraiment, on ne laisse absolument aucun repos à cette pauvre Palutena. On attend patient le donner qui va être trouvé très très bien vu. Ah, très clairement, mais en tout cas on voit que j'ai mal parce que Evil il est en mode j'arrive. Et puis là je... Voilà, bah, juste je fuis. Genre... Après il est clairement... comment dire... Je n'ai pas le mot. Oh mon dieu, j'ai le mot sur le bout de la langue. Prédictible mais imprédictible, voilà. Imprévisible, merci bien. Nous sommes samedi soir. Nous sommes fatigués. En tout cas, le backer qui va toucher, ça ne va pas encore prendre ses stocks. Il faut venir tuer. Est-ce qu'on va tenter une edge guard en two frame? Non, c'est pas passé. Oh, on a voulu un petit peu quitter avec la roll et ça va tuer malgré une bonne DI, je pense, hein, de la part de Evil. Ouais. On est mort doucement mais sûrement. Sachant qu'on commence à avoir un petit peu de rage de la part de Palutena. Oh, on patiente, ok, on attend.
on vient pas se précipiter sur le shield de son adversaire. Et là j'aime bien parce qu'on voit qu'on on maîtrise un petit peu le rythme du jeu. On a... Non, non monsieur, non, voilà on remonte. Et surtout que là bah on est plus en mode bah ok bah ça, ça incline de faire les ports. Vas-y prends ma stock mon ref. Moi je t'attends sur la plateforme, je te lance des piou-piou. Des boulettes d'énergie. Mais ce backer. Ce backer, on en ferait des cauchemars de ce backer, de cette dash attaque aussi. En tout cas on va mettre son 12% et je pense que le prochain smash, le prochain rouleau va venir tuer cette Palutena. Faut faire très attention. En plus on sait que Evil est un joueur, dès que tu dépasses les 90% c'est rouleau à foison. La folie des rouleaux, Nair qui va connecter sur absolument rien du tout. Évidemment on va punir le landing. Ah mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça hein. On n'arrête pas, on va tenter. Ok, très très bien vu. La roll qui va permettre de mettre en ladder cette pauvre palu. Ouh, ok, je pense que la grenade était en prévision. Par contre, up smash, je colle, je renifle ton shield pour te up smash dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On arrive, on va trouver ce grab. Sauf que Inkling, ça ne tue pas. On va chercher très très loin. Ouais. Et ça suffit. On a eu trop peur pour revenir. Après le truc aussi c'est que même si on a esquivé le hubby, enfin les jets d'encre au starter du hubby de Inkling, bah ça aurait tué je pense si on l'avait fait un peu plus tôt. Ça aurait gimp et on aurait eu plus haut de saut. En tout cas on a de la rage, on sait que les backers avec de la rage, on est déjà à 43%. Ça va trop vite, ça joue vite. Le fer qui va mettre un petit peu en désavantage positionnel. Le problème c'est que Evil... Il va vite pour mettre les pourcentages. Il va vite. La classique. Spot dodge into rouleau. On a attendu, on a patienté. On n'a pas togé dans l'encre. Ouh, oui, le two frame. Ouais, malheureusement, je pense que t'es un petit... On s'est limite pas fait confiance sur le two frame. Double spot dodge, on aime. Ok, nickel. Bah, malheureusement, je pense qu'on a voulu land backer. Et au final, ça nous a fait un F-tilt sur la plateforme. C'est pas grave, c'est limit input, ça arrive. Couverture de saut, le fer. On joue en retreat et ça a l'air de réussir. Pour Ereya. Ok, on arrive, on patiente. On fait beaucoup de couverture. Faire attention à ce grab qui va être whiffé complètement. Et là, ouais. Ah, ça, là, on est full rage en plus de la part du Inkling, donc c'est compliqué. Ouais, on est en... Oh, très très beau mix-up de la part de Ereya qui va trouver cette stock. Magnifiquement bien vu. Le truc, c'est qu'on... Là, on va... Enfin, on va pas tuer, mais on va être quasiment full rage. Donc, les backers de Palutena full rage, tu n'as pas envie de t'en prendre. Très attention, dash attack. Ok, très très bien vu. Upper 34% déjà. Quoi? Non. Je demande un avare. Même de la part de Ereya, on s'est dit, mais what the fuck, mon ref. J'ai un bouclier où je suis intangible. Comment ça, ton rouleau, il passe? Ah, mais regarde-moi ça. Un nappage. Evil nous avait pas dit qu'il jouait dans le plus grand pâtissier de France. Ce nappage de gâteau est magnifique. Un beau violet. En tout cas, le fer qui va toucher. Et là, bah... Ouais, non, là, la méchante zone rouge qui va être punie magnifiquement bien. Encore une zone rouge. Il faut rigrab, monsieur. On se prend trop de pourcentage. Ouh, très bien vu. En tout cas, le... Comment s'appelle un petit... On va appeler ça wave dash, mais le wave dash de la partie... Oh putain, on est agressif, hein, on n'a pas peur. On met beaucoup d'hitbox, on fait peur. On reste à distance, mais ça reste pas du Tena, faire très attention. En combo upper, en combo nerf, en combo backer. Ça peut aller vite. Mais non, on s'est fait avoir. Et sur le tipper, il va prendre cette troisième game. Eli qui se dit, mais c'est quoi ce rouleau? J'avais backer, mais non.